Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer ce voyage à travers la compréhension du lien amoureux, comment ça s'organise, comment on s'aime, pourquoi on s'aime, comment et pourquoi on se désaime, qu'est-ce qui se passe dans l'interaction à l'autre, notamment dans le lien amoureux. Alors, je vais reprendre mes petits stylos aujourd'hui, voilà, on va se retrouver dans 2 minutes sur la feuille et je vais refaire des schémas comme je l'ai fait. Hop, je pose. Il y a quelques temps, ça me manquait, donc je sais, enfin voilà, je crois que vous aimez bien ça aussi, donc on va repartir sur des schémas. On va parler aujourd'hui des systèmes de valeurs. Alors, dans une vidéo précédente que j'avais appelée deux êtres uniques dans un système unique, on avait vu à quel point finalement une interaction amoureuse, hein, c'est deux êtres, deux logiciels, deux êtres humains, hein, donc deux conscients avec plein de parties inconscientes qui se rencontrent et forcément. La communication qui va s'installer entre eux, la manière de s'aimer, va répondre, réagir, interagir en fonction d'énormément de paramètres. Il y a un des paramètres, parmi tant d'autres qu'on va continuer de développer dans des prochaines vidéos, qui est les valeurs, le système de valeurs. Comment je me perçois dans le monde, comment je me perçois dans le groupe social, qu'est-ce que j'attends du monde, comment je conçois ce qui m'entoure. L'organisation avec ce qui m'entoure et du coup comment je conçois l'interaction à l'autre. Et ça, c'est quand même assez fondamental dans une relation amoureuse, dans une relation d'interaction. Donc ce qui est intéressant, vous l'avez tous vécu, je pense, à un moment donné, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, un premier rendez-vous, ou peut-être même que vous vous en apercevez un petit peu après. Vous pouvez vous dire, oh là là, mais cette personne-là, non, mais en fait, ça va pas du tout le faire, elle est complètement perchée, ça va pas du tout. Alors, vous voyez, ce mot-là, elle est complètement perchée, ça va amener à un système de valeurs qui ne va pas être le vôtre, qui va être ni bon ni mauvais, qui ne sera pas juste le vôtre. Il peut y avoir aussi d'autres moments où quelqu'un va vous demander, mais alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, certaines personnes vont répondre très spontanément, ben voilà, je fais ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont répondre, qui vont se dire, ouh là là, mais je ne vais pas trop lui en dire parce que si ça se trouve, ça va l'intéresser, elle pourrait me prendre mon idée. Donc, je vais me protéger, je ne vais pas trop donner, je ne vais pas trop expliquer ce que je fais. Ça, c'est un autre système de valeurs. C'est une autre manière de voir l'autre et c'est une autre manière d'être en interaction avec l'autre. On va parler de tout ça parce que finalement, ça, c'est quand même très important dans un lien amoureux, tout ça. Il y a 8 systèmes de valeurs. C'est pas moi qui les invente. Ça a été inventé, ça a été mis en place, ce répertoire, on va dire, de systèmes de valeurs par un professeur en psychologie qui s'appelle, je regarde mon livre, excusez-moi, Claire Graves. Donc, je vous mettrai les références. C'est un système de valeurs que j'ai redécouvert avec grand plaisir sur une plateforme d'auto-hypnose qui s'appelle Psychonautes, dont je vous remets aussi le lien si vous avez envie de découvrir ce que je vais vous expliquer par schéma de manière plus immersive en le vivant à l'intérieur. Voilà, je vous mettrai les références. Et finalement, pour moi, cette vidéo, elle est assez importante parce que notamment dans les couples qui sont ensemble un certain temps et qui décident de se séparer, on entend souvent cet argument-là, et même dans des relations plus courtes, hein, ou même dans des relations d'amitié, du coup, hein, on a évolué différemment. C'est intéressant ça, on a évolué différemment. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Eh bien, dans évoluer, on entend un petit peu valeur. Hein. Bon, on n'est pas du tout sur les racines latines, etc. Mais c'est mon truc. J'évolue, voilà, il y a le V de valeur. Bon, pardon, j'extrapole carrément. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette notion quand même de mouvement. Il y a cette notion qu'on change. Que l'état dans lequel on est quand on se rencontre, que les valeurs qui sont les nôtres au moment où on rencontre l'autre, sont amenées à changer. Et ça, c'est important parce que ce qui va être développé dans la vidéo suivante, c'est cette explication de comment on change de système de valeurs et comment, du coup, on change d'interaction avec le monde. Parce que c'est un paramètre important. Effectivement, un être, c'est pas quelque chose, un être humain, c'est pas quelque chose qui est immobile. C'est pas un objet qui n'a pas de passé et c'est pas un objet qui se meut vers rien. Hein, c'est un mouvement, la vie humaine, c'est un mouvement permanent. Quand on est adulte, on a acquis en soi qu'à un moment donné, on a eu 15 ans et qu'à un moment donné, on a même eu 5. Et d'ailleurs, il existe beaucoup de petites parties à l'intérieur de notre cerveau qui se rappellent très bien de ces moments-là.
émotionnellement, les événements qui nous ont marqués, les bons comme les mauvais. Et même quand on a 30 ans, même quand on est adulte, tout ça, ça peut revenir. Eh bien, un système de valeurs, c'est un petit peu comme ça. Tout au long de la vie, on va évoluer, on va changer, on va se positionner autrement dans le monde et avec l'autre, dans le groupe et individuellement aussi. Et à chaque instant de la vie, et notamment dans l'interaction à l'autre, dans l'interaction amoureuse qui nous intéresse, on va pouvoir être capable de convoquer tous ces systèmes de valeurs. Et puis parfois, la personne qu'on a en face de nous est trop lointaine de ce système de valeurs qui est le nôtre à l'heure actuelle. Et donc ça donne parfois des séparations ou des éloignements. Mais aussi, ça peut donner de très 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 belles choses quand on évolue de la même manière, quand on évolue en même temps, et quand on rencontre quelqu'un qui a le même système de valeurs que nous, alors là, c'est assez fabuleux et ça donne des histoires très très belles parce que ça va être cette idée d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Vous savez, il y a cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « S'aimer, c'est regarder dans la même direction ». S'aimer, c'est finalement regarder au même endroit. S'aimer, c'est se mouvoir sur le même chemin. Il y a cette idée aussi de partager un système de valeurs. Donc on va voir tout ça, parce que finalement, quand on comprend quel système de valeurs habite l'autre, il va être plus simple d'aller s'adapter à lui. Parce que l'enjeu, je l'avais expliqué dans une vidéo de la communication, l'enjeu, c'est qu'il y ait un mouvement à deux. Finalement, la communication amoureuse, c'est trop. Et la communication tout court, peut-être. Hein. Je ne sais pas, je pose la question. C'est trouver un terrain commun. Il y a toi, il y a moi. Et à quel moment on peut chacun faire un pas pour avoir le même langage? Et quand on connaît le système de valeurs de l'autre, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple. Donc, je vous retrouve tout de suite sur le papier et je vous souhaite une belle vidéo. Et voilà, donc on se retrouve pour parler de ce système de valeurs. Alors il en existe 8, comme je vous l'expliquais. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, je le mets comme un gros gros fusible à cette vidéo, et je pense que je vais le répéter régulièrement au moment où on va aborder chaque système de valeurs. Il ne s'agit absolument pas ici de dire qu'un système de valeurs est meilleur que l'autre. Il n'y a vraiment pas dans ce qu'on va évoquer là une idée d'évolution. Il va y avoir une idée en revanche de transcendance. Hein. Vous avez l'habitude, voilà, on va avoir 8 systèmes de valeurs. 1, 2, 3, oh là là, ça y est, alors c'est pas. Donc vous allez voir que je n'ai pas fait de progrès en dessin hein, depuis mes dernières vidéos, ni en mathématiques d'ailleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. Bon, on va dire que le dernier est un peu plus loin. On va passer d'un système de valeurs à l'autre tout au long de la vie. D'accord? Il y a une idée du coup de transcendance quand on va changer, évoluer jusqu'au dernier système de valeurs. Mais dans cette idée de transcendance, on va toujours garder une idée d'inclusion. On inclut, c'est-à-dire je transcende, mais je conserve. Hein, c'est ce que j'expliquais. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais je sais et je me souviens et il y a en moi encore ces émotions et cette structure que j'avais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 5 ans, quand j'avais 20 ans, etc., etc. Et ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte que peu importe quel système de valeurs vous habite au moment M où vous regardez cette vidéo, peut-être que dans 10 ans, si vous regardez encore cette vidéo, vous n'en serez plus au même moment, mais vous saurez qu'au moment où vous l'avez regardée, vous étiez peut-être là ou là, et que ça vous parlait vraiment beaucoup, et qu'aujourd'hui ça vous parle moins. Mais vous pouvez toujours comprendre pourquoi ça vous parlait. Et ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez à ce moment-là pouvoir comprendre pourquoi ça peut parler à d'autres. Et je fais une minuscule aparté pour les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est exactement cette métaphore de l'arc-en-ciel que j'ai utilisée dans ma vidéo où j'évoque la transmutation et la transformation. C'est-à-dire que ces multiples visions du monde ne s'annulent en aucun cas. Jamais. Elles se complètent et à chaque moment de la vie, vous verrez que en fonction de la personne que vous avez en face, en fonction de la situation, il y aura toujours des réminiscences de tout. Et quand on arrive à la fin,
Alors là, on est un être encore plus multiple, encore plus complexe. Pas mieux, juste plus multiple. Voilà, ceci étant dit, on va donc démarrer. Alors, ces 8 systèmes de valeurs, je vais éviter de faire des, enfin, je vais essayer de faire des économies de papier, donc je vais retourner pour ne pas utiliser une autre feuille. Ouais, il y a un peu de transparence, mais c'est pas grave. Ils ont été répertoriés selon des couleurs, d'accord? On n'a pas mis de numéro, enfin l'auteur, hein, c'est pas moi, n'a pas mis de numéro vraiment pour signifier qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'idée de, bah, du coup, d'hiérarchisation. Donc ce système de valeurs, moi je vais vous l'expliquer sur des schémas, mais sur des schémas linéaires, mais il est présenté sous une forme de spirale. Voilà, sous une forme voilà, de spirale, hein, quelque chose qui, voilà, qui y ressemble. Et ce qui va être hyper intéressant dans ce système de spirale, c'est que du coup, on voit à quel point finalement le passage d'un système de valeurs à un autre n'est absolument pas quelque chose de rigide, et puis ça se joue pas en 24 heures, c'est très poreux, hein. On passe d'un état à un autre avec des états intermédiaires. C'est ce que j'aime vraiment vous expliquer. Tout est un mouvement. On n'est pas voilà, je reprenais tout à l'heure l'exemple. À un moment donné, on a eu 5 ans, à un moment donné, on a eu 15 ans. Et bah, entre les deux, on a eu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, il y a toujours cette idée que les choses sont mouvantes, poreuses, vont peut-être à un moment donné stagner, ne vont pas aller à la même vitesse et vont surtout cohabiter. Cohabiter. Jusqu'à une cohabitation, de toute façon. Quand on est au bout, hein, une cohabitation totale, hein, avec tout. Donc on y va. Le premier système, les deux premiers systèmes de valeurs, les deux premiers systèmes de valeurs vont être deux systèmes de valeurs qui vont répondre au souci de subsister. Subsister, survivre. D'accord? Le premier système de valeurs, il a été proposé par l'auteur comme la couleur beige. Et le deuxième, vous m'entendez tourner des pages parce que j'ai pris des notes. Et le deuxième va être violet. Alors surtout, surtout, ça n'a rien à voir avec les chakras. Hein, vraiment pas. Je sais que tout le monde, enfin, beaucoup des gens qui regardent les vidéos sont branchés chakras. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment très, très arbitraire comme couleur. C'est juste histoire de dire que c'est pas pareil. Donc, les deux premiers états, les deux premiers systèmes de valeurs qui vont apparaître chez l'être humain, à ce moment-là de la vie, notamment quand on est un nourrisson et un tout petit enfant un petit peu plus tard pour le violet, au moment où on arrive au monde, on a besoin de survivre. Et la manière qu'on aura d'interagir avec l'autre, ce sera une manière extrêmement primaire, extrêmement archaïque pour répondre à des besoins vitaux. Manger, dormir, être changé, etc., etc. Donc, la manière dont on va s'adresser aux autres, ça va être dans l'espoir d'une réponse immédiate et spontanée qui vont répondre, pour cette première partie, d'abord à des besoins surtout physiologiques. Hein? Là, on va chercher à assurer la survivance. Alors, cet état-là, on le disait, qui peut se reproduire à un autre moment dans la vie. Finalement, vous n'êtes pas nourrisson toute votre vie. Mais à un moment donné, il peut arriver que, notamment quand on vieillit ou quand on est atteint d'une maladie dégénérative, type Alzheimer, etc., où on perd un certain nombre de capacités, eh bien, à la fin de la vie ou dans des épisodes plus dramatiques, au milieu de la vie, il peut arriver qu'on revienne à cet état de nécessité de subsistance physique. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de l'autre pour nous aider encore à nous laver, nous emmener faire nos besoins, nous préparer à manger, etc. Il y a vraiment cette idée-là d'état, extrêmement d'état primaire de la survie. Les besoins physiques, physiologiques. Voilà. Ce deuxième système de valeurs qui arrive ensuite, où on cherche toujours à subsister, c'est celui dans lequel on prend conscience que
La capacité de survie, bah, il y a quelqu'un qui y a répondu. Là, on n'a pas tellement conscience que quelqu'un y ait répondu, hein. Il y a une espèce de fusion, hein. C'est souvent l'état du nourrisson qui est en fusion avec la mère. Il crie, la mère lui donne de sein ou le biberon. Il a l'impression que finalement, la réponse, elle arrive par lui. Vous voyez, c'est très interne. Et là, dans cette deuxième étape de la notion de subsistance, de cette valeur, on a conscience que c'est l'autre, que c'est une réponse extérieure, c'est-à-dire le besoin, il dépend quand même de l'appartenance à un groupe. Alors à un groupe familial dans un premier temps, et peut-être aussi à un groupe plus large, notamment ben, il y a encore beaucoup de communautés dans certains pays où même l'enfant, il y a plusieurs personnes qui s'en occupent, il n'y a pas que le père et la mère. Donc c'est le cas de tribus, de communautés, etc. On n'est même pas obligé d'aller dans des pays très très lointains. Ce type de communauté existe un peu partout encore. Voilà, où on a vraiment conscience qu'on est un être différent des autres, mais c'est quand même via l'autre hein, qu'on peut survivre. C'est l'autre qui nous apporte les réponses à nos besoins, y compris cette forme de sécurité affective aussi. Donc il y a une idée que on fait corps avec, avec le groupe. Je suis une partie d'un tout. Et il y a cette idée que si on ne fait pas partie du tout, on est interdépendant hein, du tout. C'est-à-dire que si je me retrouve seule à cette étape-là, je suis complètement paniquée. Comment je vais faire? Alors, cet état-là, il peut tout à fait revenir à certains moments de votre vie. Et c'est un petit peu ce qui arrive dans des moments, puisqu'on est là pour parler d'amour, on va donner des exemples amoureux, lors d'une rupture. Une rupture et l'autre part. Une rupture, l'autre part avec les enfants, en fonction. Et on se retrouve là tout seul, on se dit, mais comment je vais faire? On sait même plus se faire à manger, quoi. Vous voyez? Ou alors quand vous vivez une expérience, je ne sais pas, pendant un voyage, des vacances, vous vivez un stage, si vous faites des formations, enfin voilà, des moments où le groupe va être extrêmement important et vous allez vous sentir pleinement exister, pleinement soutenu, pleinement aidé par la notion de groupe. Et quand cette expérience-là s'arrête, ou même ça peut être un concert, un spectacle, hein, voilà, quelque chose en tout cas dans lequel le groupe existe, il va y avoir une interaction avec plusieurs personnes, et quand ce truc s'arrête, on se sent parfois un peu paniqué, un peu en insécurité, mais comment je vais faire sans les autres ou sans l'autre? Voyez donc, c'est une prise de conscience à un âge très petit, mais c'est un état qui pourra revenir à n'importe quel âge. Et alors, il y a une deuxième notion qui va être extrêmement importante à cette étape-là, c'est que justement, cette sensation d'interdépendance, de sécurité vis-à-vis du groupe, par le groupe, dans le groupe, va finalement engendrer l'idée que tout ce qui est à l'extérieur de ce groupe-là est très mystérieux, voire même un peu magique. Qu'est-ce que c'est que c'est tellement différent que le groupe de semblables? Qu'il va y avoir à ce moment-là l'émergence d'une pensée un petit peu animiste. C'est-à-dire la première sensation de sacré, de mystique, de magique. C'est ce moment-là où on va attribuer aux autres éléments, à la nature, aux rochers, aux nuages, au vent, aux plantes, aux arbres, un esprit. Parce que tout simplement, si nous sommes des êtres humains et que nous interagissons ensemble, alors ce qui nous entoure est pourvu aussi d'une âme différente de la nôtre, donc un petit peu dangereuse. Hein, c'est un peu cette idée. On a tous, quand on est petit, peur des fantômes. Hein, c'est ce même système-là. Et il y a beaucoup d'adultes, encore aujourd'hui, qui possède hein, ce système de valeurs-là. Et c'est dans ce système-là que va naître l'idée du chaman, l'idée du médium, cette idée qu'il y a une personne privilégiée qui peut
communiquer avec ces éléments-là, qui nous en apportent la leçon, qui nous en apportent le discours, qui nous en apportent les règles, qui en percent les mystères, etc. Donc il y a vraiment cette idée que l'extérieur est magique et que c'est par le biais d'une personne spécifique, donc un chaman qu'on va aller voir, un médium qu'on va consulter, qu'on peut avoir des informations. Et que cette personne-là, chaman, médium, gourou, etc., va nous protéger, va nous prémunir et va protéger le groupe. C'est vraiment cette idée que l'environnement est peuplé de choses immaîtrisées et que à ce moment-là, tout ce qui nous entoure nous paraît bizarre. Si on est tout seul dans une maison, il y a un truc qui va tomber ou une ampoule qui pète, on va y voir l'idée d'une manifestation un peu mystérieuse, peut-être un peu dangereuse. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, donc c'est encore très très répandu. Ça, c'est pour le deuxième système de valeurs. Ensuite, les systèmes de valeurs suivants, on va chercher non plus à subsister, mais à acquérir une identité. Le premier, ça va être un système rouge, et le second va être un système bleu. Alors, dans ce système rouge, on va avoir, c'est évidemment l'étape qui vient après, on va avoir cette envie, cette pulsion de sortir du groupe. C'est le moment de la différenciation, de l'individuation. Oh là là, bon, j'écris hyper mal, je crois que j'ai arrêté d'écrire. De l'individuation. On a envie de s'affranchir pleinement. Il y a une forme, on parle souvent d'ego, il y a une forme de moi-je. Le groupe, d'accord, le groupe me protège, mais maintenant, je m'émancipe, je m'émancipe. Il y a vraiment quelque chose où on a la nécessité d'avoir ses propres goûts, ses propres désirs. Hein. C'est ce moment peut-être aussi de l'adolescence où les parents, on n'en peut plus des règles, on veut s'affranchir. On y reviendra plus tard aux règles, évidemment. Mais à ce moment-là, dans cet système de valeurs, on a envie de s'affranchir. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui sont dans ce système de valeurs, de dire non, mais moi, alors notamment là, on est en plein coronavirus, au moment où je tourne cette vidéo en confinement. Alors peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, au début du confinement, on a des gens à qui on a dit il ne faut pas sortir, restez chez vous, les gens sortent quand même. C'est vraiment cette idée de dire oui, mais moi, je veux obéir à mes propres règles. C'est un peu un état de rébellion. Hein. On est vraiment dans une forme d'impulsion à ce moment-là, du conquête du monde, mais qui est en réalité une conquête de soi. Mon identité va passer par ma capacité à m'opposer à l'ordre établi, va passer par ma capacité à dire non, hein, finalement. Cette période du non, qui peut durer très très longtemps, et revenir à plusieurs étapes de la vie. On peut très bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, être beaucoup plus âgé, et puis je prends un exemple, on a vécu, puisqu'on parle d'amour, je vais vraiment reprendre beaucoup d'exemples, hein. On a vécu longtemps en couple, on a été dans une relation longue, et à un moment donné, l'autre, ben, on n'en peut plus de ses habitudes, on n'en peut plus de ses besoins, et puis parfois on n'en peut plus de le voir. Et il va y avoir quelque chose d'extrêmement violent, malheureusement, à ce moment-là, de faire tout péter, de faire tout clasher. C'est un peu cette histoire de fin tragique, quoi. Hein, c'est pas, ça va pas être l'histoire de la rupture d'un commun accord. Hein, ça va être plutôt je prends mes valises et je pète des assiettes et je pars. Hein, c'est cette idée vraiment de faire exploser. Les autres, à ce moment-là, la manière d'interagir aux autres, les autres sont hostiles. À l'étape d'avant, dans le système de valeurs d'avant, ils étaient protecteurs. Et là maintenant, ils sont hostiles, ils sont une entrave, hein, à sa propre réalisation. Alors c'est un moment où on va avoir des interactions plutôt violentes, plutôt un petit peu agressives. Voilà, on défie les règles, on ne supporte plus la hiérarchie. Je crois que vous avez compris, vous avez globalement compris le principe. C'est cette idée d'être roi. D'être roi et de vouloir. On n'a plus d'empathie à ce moment-là. Il n'y a
Il n'y a pas encore de structure morale ou c'est un moment donné où on n'en a plus, où on n'en veut plus de la structure morale. On ne veut répondre qu'à soi. Alors évidemment, ça a l'air très, très, très horrible comme système de valeurs, mais c'est un système de valeurs dans lequel on passe des grands paliers à ce moment-là, hein. C'est la réalisation de soi, c'est la conquête de soi. C'est un système de valeurs dans lequel on a beaucoup de ténacité. On va s'affranchir de ce qui n'est plus bon pour nous, de ce qui ne nous paraît plus bon pour nous, et on va faire des bons et on va aller à la conquête de quelque chose probablement de meilleur qui nous correspond plus à ce moment-là. Après le chaos, la renaissance. Vous voyez, c'est une forme d'étape du chaos intérieur qu'on vit tous. Qu'on vit tous. Régulièrement dans sa vie. Comme des paliers. Rien n'est immobile. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'étape bleue. L'étape bleue, c'est un petit peu le moment où on arrive au bout de cette rébellion, où le rapport de force, la bataille, parce que c'est une bataille, hein, ce moment-là, c'est une bataille contre le monde, c'est une bataille pour être soi, pour s'affirmer, on va être un petit peu fatigué de tout ça. Hein, ça va nous paraître insupportable. Parce que c'est une sensation de chaos qui est permanente. Et à ce moment-là, on va avoir besoin, je dirais, de retrouver une forme d'ordre, hein, de retrouver un cadre. Alors finalement, ce cadre qu'on a fait exploser, on va en avoir besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas être le même cadre qu'avant, au violet. On ne va plus être complètement interdépendant des autres. Si on cesse de l'être un jour, hein, petite question au passage, on va surtout être dans un besoin de redéfinir ses propres règles, son propre cadre à soi, choisi, mais d'y obéir cette fois. C'est un moment donné où on peut aussi choisir d'accepter, hein, le cadre social, le cadre familial, de le réaccepter. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, là, on était en roue libre et que bah, la roue libre, ce n'est pas forcément très harmonieux en soi. Ou pas, on peut rester en roue libre toute sa vie. Mais là, en tout cas, à ce moment-là, on a besoin de retrouver une structure. Une structure intérieure qui va passer par la structure extérieure. Et c'est à ce moment-là qu'on va appréhender cette notion de bien et de mal, cette notion de morale. Hein, là, on a été agressif, mais peut-être que là, du coup, on se dit, est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai fait du mal? Hein, on commence à se poser la question. C'est la naissance un peu de la culpabilité. Hein, on s'aperçoit que parfois, dans nos actes, on peut blesser l'autre. On peut être violent, on peut être agressif, etc. C'est vraiment la notion de presque un peu de la rédemption, si je puis dire. Et dans cette capacité, dans cette notion de rédemption, de culpabilité, il y a cette idée que ce qu'on a fait n'est pas en règle, hein, finalement. Et cette règle-là, c'est laquelle? Eh bien, c'est la règle du plus grand. Alors, c'est plus tellement le plus grand comme le chaman, etc., hein, ou le médium. Dans cette étape-là, on ne voue plus tellement on n'octroie plus de pouvoir, on va dire, anthropomorphique, enfin. On ne voue plus de pouvoir à quelqu'un, à une personne humaine qui est insemblable, mais à quelque chose de bien plus grand, qui ne vont pas forcément être que les éléments, ça peut encore être les éléments, hein, qu'il y avait dans le violet, évidemment, mais il y a quelque chose de plus grand, une espèce de vérité ultime. C'est à ce moment-là qu'on a la sensation quand même qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, parce qu'elles sont écrites, parce que c'est comme ça. Ici, il y a la naissance, hein, de la notion de fatalité, une fatalité qu'on accepte. Ok, je vis ça, j'accepte, et c'est parce que je dois le vivre. C'est l'idée qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous envoie une épreuve. Quand on rate, quand on est dans l'échec, quand on est dans le malheur, ici, c'est l'idée de c'est normal, c'est normal. Et je me soumets à ça. Si je suis malheureux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me dit que je dois l'être. Hein? On renvoie toujours à une forme de responsabilité extérieure, responsabilité supérieure, qui est la vérité.
Hein, c'est l'idée du fatalisme, mais du fatalisme auquel on a plaisir à se soumettre, parce qu'on a l'impression d'être en règle. Il y a des riches, il y a des pauvres, c'est l'ordre établi, c'est comme ça. Il y en a qui méritent, il y en a qui méritent moins. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, peut-être que qu'arrivent toutes ces notions de croyances sur les dettes karmiques. Sur le fait qu'on doit payer sa dette, hein, alors les vies antérieures pour ceux qui y croient, ou alors en tout cas des actions qu'on aurait fait avant, on paye. Hein, c'est l'idée de payer, mais on accepte de payer à ce moment-là. Il y a vraiment la pensée que si on vit ce qu'on a à vivre parce que c'est l'univers qui nous l'envoie, c'est la source, parce que c'est le plus grand, c'est la vérité qui nous l'envoie, alors on sera récompensé. C'est l'idée de vouloir se structurer en obéissant à des règles. C'est dans ce système de valeurs qu'est une forme de hiérarchie des êtres. Les plus méritants, les moins méritants. C'est aussi, je pense que c'est l'étape dans laquelle vraiment, je pense que c'est ce système d'appartenance-là qui implique la religion, par exemple. C'est vraiment cette idée de tout ce qui se produit dans l'existence, dans mon existence, est la volonté de quelque chose de plus grand que moi. Hein, donc du divin à la source de l'univers. Et que si on y résiste, si on ne s'y soumet pas, on sera puni. Si on y résiste, si on s'y soumet pas, on va en pâtir d'une certaine manière. Et donc on a tout intérêt à se soumettre à cet ordre supérieur, cette vérité supérieure, cet ordre divin. Voilà. Et donc, c'est vraiment un système de valeurs dans lequel il y a un énorme travail sur soi, un énorme travail sur soi d'humilité, un énorme travail sur soi aussi de soumission quelque part, mais c'est une soumission active, hein, puisqu'elle nous met en mouvement. C'est un système de valeurs qui peut être très très positif parce qu'il y a énormément de dévouement dans ce système de valeurs. Énormément de dévouement, notamment dans des causes humanitaires, dans des grandes causes écologiques. Il y a de très grandes valeurs morales dans ce système de valeurs. Des valeurs très communautaires, d'entraide, parce qu'on sera récompensé du bien qu'on fait. On sera récompensé de ce qu'on diffuse. Hein? Ce système de valeurs-là, ce qu'il faut faire attention dans ce système de valeurs-là, c'est de penser que ce supérieur, hein, qui nous regarderait, qui nous jugerait, est trop sévère. Parce que du coup, vous voyez, ce serait intéressant de rester au milieu dans ce système de valeurs, de ne pas complètement effacer cet individu qui avait tellement envie de se rebeller avant, de ne pas complètement l'effacer. Chaque système de valeurs, de toute façon, a des enjeux de régulation, hein, à l'intérieur. Ensuite, hop, on passe à la suite. Dans le système de valeurs, dans les deux systèmes de valeurs suivants, ce qu'on va chercher, c'est obtenir la, pardon, satisfaction. Voilà. Hop. Le premier système de valeurs, il va être orange. Et le deuxième système de valeurs, dans lequel on est là pour obtenir une satisfaction. Hop. Il va être vert. Alors dans le système de valeurs orange, il va y avoir un espèce, je dirais, de retour à la question qui suis-je? Ce système de valeurs, il apparaît au moment où, après qu'on se soit voué vraiment à cette espèce de respect de la vérité absolue, de soumission à quelque chose de plus grand qui décide, enfin qui nous regarde, qui nous juge. Et c'est se dire, mais en fait, qui je suis moi? Parce que, ok, j'ai fait ça, j'ai donné le bon, j'ai offert, j'ai été. C'est un peu l'idée du sacré et du profane, hein, le truc précédent, la valeur précédente. Je n'ai pas été profane, je me suis bien comportée, mais qu'est-ce que j'ai obtenu, hein? Il y a une espèce de sorte de bilan. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Est-ce que vraiment j'ai été récompensée à hauteur de mon investissement? Et à ce moment-là,
Alors, soit on répond oui et on n'arrive pas au système de valeur orange, soit on répond non. Et là, du coup, il va y avoir, c'est toujours un système un peu de réaction de toute façon face au système d'avant, un petit peu de rebond. Le orange, c'est celui qui a la désillusion du bleu, un peu. Et du coup, c'est ce moment-là où on décide finalement de plus obéir à l'extérieur. Alors, ce n'est pas la rébellion du rouge, hein, ce n'est pas le fait de faire tout exploser, parce que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus tranquille, mais on se dit, ok, bon, j'ai agi pour le grand tout, pour le grand, maintenant je vais quand même agir à mon niveau, quoi. Je vais quand même agir à mon niveau parce que je mérite, quand même je mérite. Et alors, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va se rappeler, hein, de son niveau rouge aussi et qui va pas du tout avoir envie de faire tout péter, de rentrer dans une interaction agressive et violente. Et puis, il est fort aussi de ses valeurs bleues. Donc, il va se dire, dans la vie, mieux vaut bien connaître les gens, mieux vaut être agréable, mieux vaut… ouais, voyez, je fais ça depuis tout à l'heure parce que je cherche mon mot. Mieux vaut composer avec eux, mieux vaut être stratège. C'est l'idée d'être stratège ici. C'est de bien connaître quand même les autres, ceux qui nous entourent. C'est se connaître un peu bien soi aussi à ce moment-là. Et de rentrer dans une forme d'égoïsme, mais dans une forme d'égoïsme très adaptée. Donc il y a certains qui vont dire, mais là c'est la manipulation, c'est l'opportunisme. Peut-être, choisissez le vocabulaire que vous souhaitez. En tout cas, c'est le moment où on va utiliser l'autre, utiliser l'interaction avec l'autre, utiliser les possibilités du monde. Pour acquérir soit une forme d'abondance, notamment au niveau matériel. On veut aujourd'hui que tous les efforts qu'on a faits soient rentables. Voilà, je fais un effort, aujourd'hui j'ai envie que ça me rapporte. Hein. C'est cette idée de la loi de l'attraction, je demande et j'obtiens. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc, les gens qui obéissent à ce système de valeurs-là sont assez stratèges, voient les autres comme potentiellement, non pas des alliés, mais plutôt des concurrents. Donc, on se lie aux autres, mais toujours dans son intérêt personnel. On se sert des autres comme d'un tremplin. On se sert des autres comme une opportunité, toujours pour acquérir quelque chose, juste pour soi. Alors, on est vraiment, dans l'évitement. Du conflit, mais pour autant, on sait très bien où on va, on a quelque chose. L'autre va devenir un outil, l'outil de sa propre, pardon, prospérité. Et vraiment, ici, l'idée, c'est l'objectif de l'acquis, c'est l'objectif de l'avoir, c'est la valeur avoir. Le bien-être matériel, le bien-être financier, les personnes qui sont dans ce système de valeurs-là, s'intéresse énormément aux nouvelles technologies, à la rentabilité, au progrès. On a envie de créer le progrès, de faire partie du progrès. On s'intéresse à ce qui est à la pointe parce qu'on a besoin de briller ici, on a besoin de réussite qu'on n'a peut-être pas obtenue avant, hein, qu'on n'a pas obtenue ni dans le rouge, ni véritablement dans le bleu. Donc là, dans le orange, maintenant, il y a une notion d'efficacité. Rentabilité, on développe du réseau, les réseaux sociaux, les réseaux d'influence, on se lie avec beaucoup de monde, mais toujours dans un objectif de se hisser dans le confort, dans la réussite. Et là encore, c'est un système de valeurs. Vous devez probablement connaître beaucoup de gens hein, qui sont comme ça autour de vous, peut-être que vous l'êtes vous-même, les entrepreneurs, les. Enfin voilà, les gens qui sont vraiment dans un moment de dire, ok, là maintenant c'est pour moi. Là maintenant c'est mon tour et je vais faire le meilleur pour moi. Et si ça doit passer par vraiment me lier aux autres et faire des petits ponts, je le fais. C'est le moment aussi de la séduction. Alors on parle de couple, on parle d'amour. Voyez, ah, je vais vous, oh là là, c'est horrible comme exemple, mais c'est tellement commun que je vous le dis quand même. C'est ce moment où un homme ou une femme va tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, déjà marié. Et à ce moment-là, cet homme ou cette femme va se faire ami-ami avec l'homme ou la femme de la personne qu'il convoite, vous savez, pour passer un peu comme ça et finalement arriver à son but. Vous voyez, en amour, ça donnerait ça. En amour, ça donnerait aussi la petite stratégie, quelqu'un tombe amoureux d'une autre personne
Et du coup, il va le googliser, il va aller regarder ses centres d'intérêt, il va demander à ses amis, ouais, qu'est-ce qu'il aime, machin. Et il va devenir la personne la plus performante dans les goûts de l'autre pour aller le conquérir. Vous voyez, c'est un peu l'idée de se servir de tout ce qu'on peut prendre de l'extérieur et des autres pour son propre intérêt. Voilà, donc il y a peut-être une forme d'égoïsme et d'égocentrisme ici. Mais voilà, c'est un système qui peut être aussi très positif parce que c'est un système dans lequel on a beaucoup d'autonomie, dans lequel finalement on va être très adaptable, on est très caméléon, on va acquérir énormément de connaissances à ce moment-là parce qu'on est très curieux et qu'on va vraiment utiliser, transformer toutes les ressources qui sont à notre disponibilité pour grandir. Pour évoluer, voilà. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie, hein, dans ce système orange. Et ce système orange-là, ensuite, il nous permet de pas, quand on arrive au bout du système orange, on va passer dans le système vert. Alors, dans ce système-là, comme dans les autres, c'est toujours, on fait une forme de bilan. La réussite, la technologie. Le progrès, finalement, quel impact ça a sur l'environnement, l'humanité? Dans cette couleur-là, il y a une espèce de perte de sens qui va être liée au orange. C'est-à-dire qu'on va réaliser que l'abondance matérielle, le progrès, mais finalement, pourquoi? Dans quel but? Et on va s'apercevoir souvent que finalement, les effets secondaires, les conséquences, les répercussions de tout ça sont néfastes pour, on va dire, l'humanité. Là encore, vous voyez, on était recentré et là, on va réouvrir. Mais c'est toujours pareil, on va réouvrir de manière différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'individu, dans cet état-là, il va être interconnecté avec 1000 autres individus qui créent l'humanité. Et cette humanité-là, elle crée la Terre, quoi, hein. C'est dans cette mouvance-là, par exemple, dans cet état d'existence-là, dans ces systèmes de valeurs-là, qu'on va avoir véritablement des gens qui vont, on le voyait déjà un peu là, mais se lancer dans des vraies causes écologiques. De décroissance par exemple ou de voilà le véganisme, consommer moins de viande, arrêter le trier des déchets, etc. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de vouloir aujourd'hui ne plus être dans une course à la réussite, mais de vouloir prendre soin de soi, mais surtout d'apporter je dirais une attention particulière à l'humanité, aux autres. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide, tout ce qu'on met en place dans cet état de valeur-là est pensé au niveau des conséquences que ça aura sur les autres. Alors, à petite échelle, sur la famille, sur les amis, à grande échelle, sur les collègues de travail, à plus grande échelle, sur les salariés, si on est patron, un homme, si on est un décideur, un homme politique, sur l'environnement, etc. Il y a toujours cette idée d'aujourd'hui, dans chaque décision, dans chaque réflexion, ce que je fais doit avoir aujourd'hui du sens. Ce sens, pourquoi je fais ça? Là encore, on réintègre l'idée de la mission de vie, mais on va surtout réintégrer l'idée de faire partie d'un tout et de faire partie d'une humanité, d'être avec les autres. Il y a vraiment la place pour autrui. On a une espèce d'amour pour l'homme, l'homme avec un grand H, d'amour pour les hommes. Et tout ce qu'on va faire va finalement être très connoté spirituellement, philosophiquement. On va vraiment afficher des valeurs de partage et de prise en considération émotionnelle de ce CEX et de ce CE qui nous entourent. On essaye de diffuser le bien, mais pas parce que on obéit à une espèce d'autorité supérieure, mais parce que c'est ça finalement qui a du sens.
donner du bien à l'autre, faire du bien à mon voisin, faire du bien à mon semblable. Il y a un vrai amour du vivant, le vivant l'homme, le vivant la nature, le vivant l'animal, etc., etc. Il y a une vraie empathie, il y a un vrai respect. C'est très émotionnel, cet état de valeur. On est très dans l'émotion. On aborde les choses de manière émotionnelle. Il y a beaucoup de travail intérieur. Qu'est-ce que je ressens quand je fais ça? On est très à l'écoute finalement de sa propre vibration et on va être très à l'écoute de la qualité de la vibration de la relation à l'autre. On ne va pas tellement être dans la qualité de la relation, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce que je lui apporte, c'est qu'est-ce qui nous lie et à quel point ce que je lui propose lui fait du bien. Et si ça lui fait du mal, je lui propose autre chose. Lui ou la communauté, vous voyez? Il y a vraiment cette idée qui est remise au centre de donner du sens, d'agir selon une importance commune, enfin une importance commune. Qu'est-ce qui me lie à toi? Voilà. Qu'est-ce qu'on a en commun? Et il n'y a que par ce biais-là que je vais agir. Alors dans une relation d'histoire d'amour, par exemple, on a beaucoup d'hommes et de femmes qui tombent amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé. Eh bien, la personne qui est déjà engagée pourra très bien dire à la personne qui est amoureux ou amoureuse d'elle, je ne peux pas quitter ma femme et mes enfants, non pas parce qu'elle n'aime pas l'autre, mais parce que si je pars, qu'advient-il de mes enfants? Si je pars, qu'advient-il de ma femme? Si je pars, qu'advient-il d'eux après? Il y a vraiment cette idée. Bon, alors, là encore, hein, tout est discutable. Hein, tout est discutable. Je fais juste un état des lieux. On pourrait très bien dire, oui, mais l'intérêt de la personne. Ben oui, l'intérêt de la personne, il était dans le orange, il était dans le rouge. On compose après, hein, avec tout ça. Le système de valeurs qui déterminera la décision sera le système de valeurs qui gagne à ce moment-là. Mais en tout cas, quand on en est là, quand on ne prend pas de décision parce que ça peut faire du mal aux autres, on est dans ce système de valeurs-là. D'accord? Et quand, par exemple, si je reprends cet exemple, la personne, l'homme ou la femme dit, OK, je quitte mon conjoint, je quitte ma conjointe parce que j'ai envie d'être avec toi et que c'est ça qui compte le plus pour moi, on va être plutôt dans un autre système de valeurs. Voilà. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Ça, vraiment, je le dis souvent dans les vidéos, j'ai parlé beaucoup d'alignement. Alors, il existe beaucoup d'étapes d'alignement. Moi, j'en dis quatre. Et est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je pense, pardon, est en adéquation avec ce que je dis, qui est en adéquation avec ce que je ressens, qui est en adéquation avec ce que je fais, cet alignement vertical. Eh bien, quand on est très à l'écoute de son alignement vertical, c'est ce moment où finalement on va décider quelque chose dans lequel on va se reconnaître et dans lequel on va être bien, une décision dans laquelle on va se sentir juste. Et en fonction du système de valeurs qui est le nôtre à ce moment-là, ce sera plutôt dans l'intérêt du groupe ou dans l'intérêt purement de soi. Ça dépend. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne, pardon. Si je fais les accords, c'est mieux. Ou de mauvaise décision. Il y a juste des décisions qui répondent à une nécessité d'alignement intérieur. On pourra parler, et on en parle beaucoup dans d'autres vidéos, des décisions qui sont désalignées. Hein. Il y en a aussi pas mal. Bref. Donc voilà, cette valeur verte, c'est vraiment que un monde dépourvu de connexion à l'autre, dépourvu d'empathie, dépourvu de commun. C'est un de spiritualité, de philosophie, de réflexion toujours par rapport à l'autre, c'est un monde qui manque de sens. Si je suis tout seul, isolé, à faire tout ce que je veux, ça n'a plus de sens. Si tout ce que j'ai obtenu dans la vie, finalement, je l'ai fait et ça a fait du mal aux autres, ou ça a bousillé la planète, ou ça a... si je suis un dirigeant et que je prends des décisions et que finalement mes salariés sont pas bien au travail, tout ça, ça n'a pas de sens. Hein? Si je prends des décisions familiales mais que ça fait du mal à ma femme, à mes enfants, ça n'a pas de sens. Si je demande à ma compagne ou à mon compagnon de vivre de telle manière et que ça lui fait du mal et que ça ne lui plaît pas et que ça va à l'encontre de ses propres valeurs à lui, ça n'a pas de sens. C'est vraiment l'idée ici
de se connaître mieux, de se connaître bien et de faire presque la place, plus qu'à nous, à l'intérêt des autres. Parce que c'est à travers l'intérêt des autres qu'on va trouver son bien-être. Voilà. Et donc, alors, excusez-moi, ça a coupé, du coup, je reprends. Les deux derniers systèmes de valeurs qu'on va voir, alors, je le rappelle vraiment, quand on parle des deux derniers systèmes de valeurs, ça n'est pas les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, quand on est porteur de ces valeurs-là, au moment T, on est plus éveillé. Pas du tout. C'est simplement que on est arrivé au bout d'un certain nombre de processus de réflexion par rapport à l'appréhension du monde et de l'organisation du monde et de sa place dans le monde, et que tous ces deux dernières échelles de valeurs, ces deux derniers états de valeurs, ont transcendé les autres, mais les incluent encore. Hein? Ils n'existent pas si on n'est pas passé par les autres. D'accord? C'est simplement l'idée d'une progression de la pensée, hein, de l'appréhension du monde, de la compréhension du monde. Ni meilleure, ni mauvaise. C'est juste qu'elle est la suite. Hein, d'accord. Donc vraiment, ces deux parties-là qui sont les dernières sont des parties, sont des valeurs qui nécessitent forcément de contenir les autres. On transcende tout en contenant. Et puis, on peut être dans cet état, dans ces états-là de manière ponctuelle et revenir à d'autres valeurs, etc., etc. Hein, c'est quelque chose qui bouge. Donc, on a la valeur jaune d'abord, pour démarrer, que j'ai fait en rose pour que vous puissiez voir à la caméra. C'est hyper le bazar. Si vous êtes un peu rigide et spécifique, vous devez mourir en regardant ma vidéo. Moi-même, elle m'affole un petit peu et pourtant, je suis. Enfin voilà, j'ai pas peur du bazar. On a la valeur jaune. La valeur jaune, c'est ce moment où on réalise que finalement, rechercher le consensus permanent, le consensus des autres, et puis le consensus avec la communauté, et puis le consensus avec l'humanité, et puis le consensus avec l'environnement, et puis le destin du monde. C'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est une valeur fondamentale à ce moment-là, mais qui peut être une approche démesurée, qui peut avoir des limites. C'est ce moment où on ressent la frustration. Enfin, et pour cause, quiconque a une véhémence de changer le monde va être dans une énergie telle qu'au bout d'un moment, il s'aperçoit que déjà, il ne pourra pas le faire seul. Que ça va forcément être un mouvement collectif, mais que ce mouvement collectif-là, il est difficile à mettre en place. Il est difficile, rien qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui tripent à leurs déchets. Je donne un exemple. Hein. Si on parle du couple, l'harmonie dans la maison va dépendre d'une organisation commune sur les tâches ménagères. Je donne un exemple. Si on a un qui veut pas, voyez, et on peut finalement. Bon, alors là, je vous ai donné un exemple très très trivial, mais pareil, dans la relation amoureuse juste de couple, sans parler de famille, si on sait que pour que ça marche, il faut partager, voilà, des sentiments, il faut partager des émotions, il faut partager des moments de la complicité, etc., etc., et que bah, l'autre, pour des raisons qui lui sont propres, n'est pas dans cette mouvance-là, on peut avoir de la frustration, on peut avoir de la colère. Voyez, donc finalement, l'état d'esprit qui nous semble être le meilleur pour le bien-être global peut amener à un moment donné à générer chez nous, à l'intérieur, de la frustration et parfois de la colère et une sensation d'impuissance, et que donc peut-être qu'il y a une autre manière encore de fonctionner tout en incluant celle-là. C'est la prise de conscience, en fait, cet état d'esprit jaune, cette valeur jaune, que le monde est complexe et qu'on n'a pas tellement le choix. Si on veut être en harmonie avec le reste du monde, parce que ça reste la priorité principale d'être en harmonie, on est obligé de voir les choses de manière beaucoup plus globale. Donc à ce moment-là, il y a une prise de conscience dans cette valeur-là, que finalement, il y a une prise de conscience de toutes les valeurs précédentes, déjà. Il y a une prise de conscience qu'on a quand même compris des choses. Et qu'à présent, on sait qu'on est obligé de s'adapter.
S'adapter à petite échelle, s'adapter à grande échelle, que chaque événement de la vie, peut-être même que chaque minute, que chaque situation, chaque micro-situation ou chaque macro-situation va nécessiter une réponse différente. À un moment donné, je vais répondre selon une valeur rouge. À un moment donné, je vais mieux répondre à tel problème selon une valeur orange. Et à un moment donné, selon une valeur bleu-verte, etc. Et même à un moment donné, selon une valeur beige. Quand je suis malade ou quand un tel est malade, etc., etc. C'est quand même là, à ce moment-là, on arrive au bout, hein, de la spirale. C'est à ce moment-là où on va véritablement sentir qu'on possède en nous-mêmes et qu'on possède dans l'interaction aux autres mille visages, mille manières. C'est à ce moment-là qu'on accepte le chaos, qu'on accepte les lois naturelles, qu'on accepte l'incertitude, qu'on accepte qu'il existe tout plein de modèles de réaction, qu'il existe tout plein de manières de voir les choses, qu'il existe tout plein de manières de ressentir. Et qu'à tout moment, nous, on pourra au mieux agir, interagir avec cette problématique précise. C'est un moment donné où on se met à théoriser, hein, une forme de théorie du système, un système par rapport à tel questionnement, par rapport à telle problématique. Moi, ça me parle bien, la valeur jaune, évidemment, vous vous en doutez, vous qui regardez mes vidéos. C'est à ce moment-là qu'on constate que tout est multiple. Nous, les situations, le monde, et que ça va être une idée d'adaptation permanente. C'est véritablement l'acceptation qu'on est dans un monde complexe et que chaque interaction est un système complexe. Voilà, je rencontre un individu qui est rouge, je peux le comprendre et je peux communiquer à ce moment-là avec lui. Et un vert, etc., etc. Parce que tout est en nous, on peut complètement aider les autres et les amener à une réussite. C'est un système, celui-ci, dans lequel on est en permanence en train de chercher, de rechercher la meilleure solution pour soi, pour l'autre, mais toujours dans cette dimension commune, dans cette dimension de plus grand. C'est un moment où on fait un choix, on sait quelles conséquences ça aura de manière immédiate et quelles conséquences ça aura en ricochet. Vous voyez les effets secondaires de cette décision sur un spectre plus large. C'est un moment donné, quand on a cette échelle de valeur-là, quand on est dans ce moment-là, où il y a quand même une sensation d'estime de soi, hein, qui peut arriver, qui peut être présente, parce qu'on se sent. On se sent en pleine possession, je dirais, de ses moyens. On se sent dans une forme de connaissance des choses et en même temps dans une forme d'indépendance vis-à-vis de ce savoir. On a le savoir, mais on sait qu'il n'est pas absolu. On sait qu'il est adaptable. On sait qu'il est transformable, qu'il est transmutable. Et on peut jongler avec tout ça pour assurer la viabilité déjà de sa propre existence à soi, de la propre existence de l'autre et de la propre existence. Du plus grand. Alors, puisqu'on doit parler d'amour, ben ce serait peut-être ce moment où un couple pourrait trouver la meilleure façon de s'harmoniser, de dire, ben voilà, à tel moment on pourrait être ensemble et puis à d'autres moments on pourrait faire ça séparément et quand on se retrouverait, on pourrait se dire ça, toi tu as besoin de ça, alors je pourrais te le donner, mais peut-être 2 fois par semaine. Enfin, voilà. Et on assure une pérennité immédiate et une pérennité globale dans un système unique, avec des individus uniques. On prend en compte, dans ce système de valeurs-là, la complexité unique et singulière de toute interaction et on y injecte les outils nécessaires pour que ce soit profitable maintenant, après, de manière plus large. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour le système jaune. Voilà, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai, pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps et les vidéos Flammes Jumelles, que j'ai vraiment toujours essayé de restituer au mieux. C'est-à-dire, il y a l'histoire d'amour, votre histoire d'amour à deux, mais qui engage vos personnalités, vos conscients, vos inconscients, vos polarités, comme on disait à ce moment-là. Et qui engage un système relationnel dans un contexte, et puis aussi dans un contexte d'influence beaucoup plus large.
etc., etc. Voilà pour le système jaune. Et le dernier système de valeurs, qui donc là, véritablement, est la synthèse de tous les autres, c'est le système turquoise. Et donc ce système-là, il va faire écho, c'est un peu la suite du système violet. C'est-à-dire que quand on en arrive au turquoise, on s'aperçoit qu'on a eu beau chercher, qu'on a eu beau chercher, qu'on a eu beau comprendre, que finalement, le monde est quelque chose de bien plus grand que soi. Qu'on est une petite particule, une petite cellule d'un système monde. Qu'il y a le macrocosme, que nous sommes le microcosme, et qu'il n'existe pas de solution individuelle. Et que finalement, peut-être que même nous-mêmes, nous sommes régis par des règles bien plus grandes que nous, par des règles universelles, par des règles énergétiques, si on veut, par des règles cosmiques, si on veut, par des règles divines, si on veut. Ce n'est pas tout à fait le violet qui pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui décide, qui impose. Ici, on a compris que tout était interaction. Tout est interaction. C'est un peu l'idée de... pardon si je tue la citation là parce que je ne suis pas sûre de la restituer comme il faut. C'est un peu l'idée de le balbutiement, ou enfin voilà, le balbutiement des ailes d'un papillon à l'hémisphère droit du globe peut créer une tempête à l'hémisphère gauche. Total freestyle, pardonnez-moi si j'ai complètement abîmé cette belle citation. Mais c'est cette idée que finalement, tout est lié. Tout est lié. Tout a un rapport. Tout a une conséquence. Tout a une incidence. Tout démarre de quelque part, se répertorie dans quelque part. Voilà, hein, c'est cette idée de loi de l'attraction. Tu demandes, tu obtiens. Il y a des vibrations là. Oui, mais qui je suis? Est-ce que c'est mon cerveau? Mais est-ce que c'est aussi la Lune? Est-ce que c'est aussi les positions des planètes? Est-ce que c'est aussi mon interaction avec l'autre? Mais est-ce que aussi c'est pas la volonté divine? Mais finalement, est-ce que l'univers n'agit pas également sur moi? Mais quand j'agis sur l'univers, est-ce que ce que je vibre à l'univers, ça m'est renvoyé? Mais quelle est ma mission? Et comment j'avance? Et où est ma route? Et sur ma route, quand je rencontre les gens, est-ce que ce sont des signes extérieurs de quelque chose de plus grand qui voudrait me parler? Ou est-ce que c'est alors quelque chose que moi-même je vais créer? Et comment je peux interagir avec eux? Et où est-ce que ces gens-là vont m'emmener? Et est-ce que ça fait partie du destin? Et c'est quoi le grand tout? Hein? Voilà, globalement, c'est ça l'état turquoise. L'état turquoise, c'est ce moment où tout est en permanence remis en question. Tout. De l'émotion qu'on a le matin quand on se lève, à la conversation qu'on a avec quelqu'un le midi, au film qu'on va regarder et on va dire, ah mais tiens, cette phrase me parle, est-ce que c'est une synchronicité? Dans le lever de soleil, qui va nous faire prendre conscience qu'il y a tout un cosmos autour de nous, d'une étoile filante, mais aussi d'un rêve. Qu'est-ce que veut nous dire ce rêve? Comment l'inconscient veut communiquer avec nous et pourquoi il veut communiquer avec nous maintenant? Etc., etc. Ça va être la remise en question, le questionnement, l'extrapolation permanente de tout ce qui nous arrive. Ça va être la recherche permanente pour finalement en arriver à une conclusion qui elle-même, hein, va être remise en cause, va être remise en question, questionnée tout le temps pour comprendre comment ça marche. Nous sommes multi-influencés et nous appartenant à une multitude de systèmes microscopiques et macroscopiques. Et la seule chose que nous pouvons apporter, peut-être dans ce monde, c'est la recherche de cette compréhension-là à l'intérieur de nous, avec les autres. Questionner l'humanité, questionner sa place dans le monde, questionner ce qui est plus grand que nous, questionner ce qui nous échappe, questionner les mystères de la vie, c'est l'état d'esprit du turquoise.
Et dans les exemples que je viens de donner, vous mesurez à quel point ce turquoise reprend tous les autres et la synthèse de tous les autres, inclut tous les autres tout en les transcendant, tout en les rendant possibles. Voilà, cette vidéo était un petit peu longue, je m'en excuse. Probablement qu'un grand nombre d'entre vous s'est reconnu la première fois que j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ah mais en fait, ah mais je suis là, ah mais non, mais je suis là, ah mais je suis là. Et j'avais l'impression d'être partout. Probablement que c'est ce que vous avez aussi expérimenté. Dites-le moi dans les commentaires. À chaque instant de la vie, on va convoquer un autre système de valeurs. Et pour faire une conclusion qui va venir parler d'amour, parce que c'est le sujet, évidemment, ce sujet-là, je n'ai pas pu que rester dans des exemples amoureux, parce que ça va bien au-delà. Et puis probablement que j'aurais pu parler de 15 milliards d'autres choses. Mais bon, si, on n'a pas 5 heures ensemble. Mais dans une histoire d'amour, dans une histoire d'amour longue ou dans une histoire d'amour courte, toutes ces actions, toutes ces réactions envers soi-même et envers l'autre arrivent à un moment donné. Et on n'est pas obligé d'être au niveau turquoise pour pouvoir dégainer ses outils précédents et s'adapter à l'autre. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra être un outil qui vous intéresse et qui vous aura servi, qui vous aura intéressé. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.